justement, donc là, l'émission de radio chez Mehdi, c'est à 16h. 16h, hein, oui. C'est pas parce que quand on a fait l'émission ici, c'était 14h. Là. Chez Mehdi, c'est 16h la radio jusqu'à 18h. Ouais. Après, il y a un petit break. Ouais. On a encore des petites choses à trouver. Donc là, par exemple, le morceau là, que Fantasio, Juliette et Isabelle viennent de faire, c'était pas, voilà, c'est une nouveauté. On vient de le caler. Le premier morceau, donc, c'est un élan de 2 mètres. Ça, c'est une introduction du concert. On est d'accord avec ça? Ça, il n'y a pas besoin de le bosser là. Mais attends, Franck! Mais attends, Franck! Franck, t'appelles. 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 Les elfes sont là. Ouais. Il y a la section rythmique, notre Sly and Robbie, des méningues. Mais attends! Mais attends! Mais attends, Franck! Je t'ai mort. Monsieur Mortimer à la voix. Ouais. Lucie. Il est en Chamonix, il a mis un œuf et une alice à la boire. Tout ça, ce sera écrit sur la liste. Ouais. Mais Quentin, tu nous fais surtout cesser de bouger Jurassic Park. Ouais. Tu pars pas sur d'autres thèmes. Reste sur ce qui a marché. D'accord. Cesser de bouger Jurassic Park. Ensuite, okay. Tu veux faire maintenant un morceau Après, en 4, un Saint-Esprit, ouais. Au départ, on avait imaginé faire l'installation technique, une pré-installation technique du concert avec ce qu'on n'utilise pas pendant qu'on fait la radio. Enfin, ça va être très court en fait. Hein. On arrête la radio à 18h. À 20h, à 20h, c'est le repas chez Mehdi, ceux qui veulent manger avant le concert. Et le concert est à 21h. La radio, c'est où? J'ai dit ça, Franck. Radio ici. Ah, c'est ici. Je crois que c'est chez Mehdi, ouais. Franck. Non. Tu veux pas faire la radio? Je veux chanter Aide de Star, Dépêche-moi. Tu veux chanter Aide de Star, Dépêche-moi. Aide de Star, Dépêche-moi. Tu vas la chanter? Tu vas la chanter? Je veux la chanter ou. Après, on va la chanter. Ok. Tu veux bien la répéter avant? Ouais, on va. La connaît. Ouais, mais on peut la répéter. Franck, je peux parler? Hein? Julien? Oui. Je pourrais me reposer après la nuit? C'est pas mal. De toute façon, vous pourrez vous reposer avant le repas. Rassembler ses esprits. La peur glace les esprits. Retenir mes esprits, prompt à m'abandonner. J'ai senti défaillir ma force et mes esprits. Ces femmes m'entouraient quand je les ai repris. J'ai senti défaillir ma force et mes esprits. Ces femmes m'entouraient quand je les ai repris. Le cerveau est le siège de l'âme raisonnable, la source du sentiment et mouvement. Et des très nobles esprits animaux, faits des esprits vitaux, lesquels, montés du cœur par les artères du cerveau, sont cuits, recuits
élaborée et subtilisée par le moyen d'une multiplication de petites et subtiles artères. Je vous aime trop pour que les petits esprits ne se communiquent pas de vous à moi et de moi à vous. C'est un corps qui vit, qui doit avoir des muscles et un cerveau pour distribuer les esprits animaux. Donc là, ce qu'on fait, c'est les petits jingles qui vont être diffusés dans l'émission tout à l'heure. Quand on sera tous ensemble, en haut dans le studio. Au studio, il est là-haut. Et qu'on sera installé avec les micros. Installé le micro. Avec Franck. Franck. Julien. Mathieu. Léarise. Juliette. Encore qui? Étienne. Quentin. Samy. Jonathan. Nicolas. Et moi, Isabelle. C'est une nuit qui luit. C'est une nuit qui pense. Et qui va rendre à tous les esprits leur meilleure danse. Il fait tout noir. S'il n'y avait pas de lumière, j'imaginais les pires animaux. Et ce sont les chauves-souris. Les pires animaux sont les chauves-souris. Ouais, les chauves-souris. Jesus Christ. C'est la grosse ici, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Je ne sens pas probablement assez fort pour y voir dans la grotte. T'as déjà vu des salamandres, Étienne? Oui. Il est mignon. Le garou sort de sa peau. Si je vais dans une grotte, j'aurai l'impression de boire la tasse. Vous êtes à l'écoute de Radio Métingue. On est à la fin de Denis le Cochon. Bienvenue tout le monde. J'ai dit le grand nom à la femme. J'ai le nom de la femme enronnée dans un nez. Il y a des cochons. Des cochons? Waouh, c'était incroyable, des cochons. Ouais, il y a aussi des poules. Et des lapins. Des lapins, des poules. Est-ce que le canin? Ah oui, des canins, il y en a quelques-uns. Il y a même une mare. On va aller voir la mare tout à l'heure. On accueille des animaux qu'on a sauvés. Des animaux qui étaient maltraités. Des animaux qui devaient partir...
paradis. Au paradis. Là, en fait, la visite se transforme en moment de goûter pour les animaux. C'est bien de nourrir les bouquetins. Mange de la nourriture à tout va. Il va tout va, vraiment. Le chèvre est en train d'atteindre le souffle. Comme ça, je les attire ici, je vais les tuer. Du groupe.